Salut à tous, bienvenue dans le Club des 5. On est très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir, en ce mardi soir, pardon, pour parler de football européen. On va parler de football africain, on va parler de football américain. Et puis un petit événement en Europe avec Pochettino qui s'est fait virer de Tottenham. On en parlera vers la fin de l'émission. Mon plateau du soir, Samy Mojtabi. Bonsoir Romain, bonsoir à mes collègues, bonsoir aux socios. Comment ça va? C'est un plaisir d'être. Tu es seul à ton pupitre. Oui, merci Walid de m'avoir laissé l'opportunité d'être tout seul ce soir. On va t'expliquer, parce que tu as des grands gestes. Ah oui. Avec des grands bras. C'est vraiment gentil, mais je me suis dit que vous voulez me faire kiffer. Non, je parasite. Et en plus, c'est parce que sur l'expertise marocaine, tu vas nous être précieux. Je vais essayer. Walid Acharchour. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va super. Je suis en train de repeter le petit. Oui, le live est déjà parti. Oui. Exactement. Bah, c'est un plaisir. Tu as passé une bonne journée? Très bonne journée. Ouais. Coupe Davis là. Sympa, hein? Il y a des matchs partout. Même s'il y a des pour, il y a des contre, on a regardé un petit peu de tennis. Il y avait du bon niveau. Ouais. Avec la France qui s'est qualifiée, qui a pris une option sur la qualification. Et puis le Maroc, le Brésil. Les Français au tennis? C'était timide, très compliqué. C'était dégueulasse, ouais, on peut le dire, compliqué. C'était dégueulasse, même pour le double, c'était pas ouais, beau, c'était pas beau, mais on a gagné contre le Japon. Bon, exactement, voilà. Très compliqué. Avec 5 personnes en tribune. Avec 5 personnes, oui, parce que les supporters français boudent la Coupe Davis et ne veulent pas aller voir. Il y a beaucoup de monde sur l'Italie et sur l'Espagne, ouais. Et même la Russie, mais les Français, ils boudent, ouais. Dominique Baïf. Salut Romain, bonsoir monsieur. Comment ça va? Petit rafraîchissement, oui, de coupe de capillaire, de coupe de cheveux, parce que tu vas bientôt partir en vacances, ça te fait du... Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Ça va? Profiter de la chaleur sans cheveux. Toujours mieux. T'as passé une bonne journée toi aussi? Ouais, oui, écoute, on y reviendra, mais enfin une victoire du Brésil, donc ça m'a fait de baume au cœur. Effectivement, parce qu'on nous dit football américain, oui, je me suis mal exprimé, mais c'est le football sud-am avec le Brésil, on va en parler justement. Bonjour à vous les socios qui êtes là sur le chat, on a besoin de votre aide, n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, c'est important, on a besoin de vos likes. Qu'on a besoin de vos petits pouces bleus, plus vous mettez de pouces, parce que Sam il a pas réussi à l'expliquer hier, donc je vais le dire bien, plus vous mettez, c'est plus vous beau, mettez ça, de pouces, bah, c'est vrai, il a dit, mettez des pouces, il y avait tout de suite, c'est efficace. Si vous mettez des pouces bleus, la vidéo arrive dans la page d'accueil de gens qui ne nous suivent pas forcément, donc ça peut nous aider un maximum. Plus il y a de pouces bleus, plus la vidéo est référencée et plus on a de potentielles nouvelles personnes qui peuvent venir voir les débriefs du Club des 5. Et donc si vous êtes des nouvelles personnes qui découvrent le Club des 5, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, vous allez le voir en dessous de la vidéo, il y a le truc pour s'abonner et puis activer la petite cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et il y a même le code promo pour Winamax. Notre programme du soir, on va commencer d'abord par le débrief de Burundi-Maroc, la victoire des Lions de l'Atlas qui donne un sursis à Vahid Halilhodžić, une victoire 3-0 dans laquelle il y a eu un acteur, Achraf Hakimi. On parlera de la performance du joueur de Dortmund prêté par le Real Madrid, savoir quel est son meilleur poste, si c'est derrière, si c'est au milieu. On pourra avoir cette expertise-là. Et puis on parlera du Brésil, Dominique en parlait tout à l'heure. Victoire 3-0 face à la Corée du Sud, la première victoire depuis la Copa América, pour les Rivera Verde. Tu rigoles comme ça, j'ai pas le droit à l'erreur moi non plus. Hein. Mais j'aime bien. Ça s'appelle le karma. Le karma, hein, bah ouais, ça me tombait dessus, c'était obligé. Ouais. Donc la première victoire du Brésil depuis la Copa América. Et puis on terminera par l'information du soir, c'est pas du football international, mais on doit en parler quand même. Mauricio Pochettino viré par Tottenham, en se posant la question de savoir si c'est quelque chose de justifié, si vous comprenez cette décision. Et puis on aura un petit mot sur les potentiels remplaçants de Mauricio Pochettino. On en fera une petite partie, parce qu'à chaque fois qu'on fait une longue partie et qu'on donne des noms, on se bourre. Donc on va pas en parler beaucoup sur les potentiels successeurs de Mauricio Pochettino. C'est d'ailleurs la question du soir. Les socios, vous pouvez la voir. Est-ce que vous comprenez cette décision de Tottenham de virer Mauricio Pochettino? Vous pouvez nous donner votre avis sur le chat et dans les commentaires. Pour ceux qui sont en replay, comprenez-vous le fait de virer l'entraîneur qui a amené votre club en finale de Ligue des Champions l'an dernier. On commence par le débrief du match du jour, un des matchs du jour. Il était à 14h ce match entre le Burundi et le Maroc, la victoire 3-0 des Marocains. Samy, c'est une victoire qui fait du bien aux Marocains, et ça donne un petit sursis à Vahid Halilhodžić. Mais oui, c'était une victoire attendue. Il me semble que Achraf Hakimi a lancé un tweet, je crois que c'est Hakimi, oui, il me semble que c'est Hakimi, a lancé un tweet où il disait, voilà, c'était un match où il y avait une forte pression. Le peuple marocain attendait un résultat cet après-midi. Donc vraiment, voilà, les joueurs étaient concernés. Il y avait pas mal de rumeurs aussi
sur Ali Odzic. Il y avait une ambiance assez délétère quand même au sein de la sélection marocaine et surtout de l'entourage de la sélection marocaine. Donc oui, c'était un match très attendu et un résultat était nécessaire. C'est pour ça que ce 3-0, il est parfait, il tombe à pic. Pour ainsi dire, pour Vahid, parce que voilà, c'était le résultat qu'il fallait pour lui donner un petit peu plus de crédit et surtout le soulager, voilà, de toute cette pression et toute cette partie montante là d'une certaine frange de la fédération marocaine qui commençait à réfléchir à d'autres prénoms. On va en parler un peu par la suite du fait que Vahid était déjà sur la sellette alors qu'il est arrivé il y a 3 mois. Juste sur le match, c'est complètement logique cette victoire du Maroc au Burundi. Un vrai match abouti quand on prend le contexte africain. On l'avait dit hier avec l'Algérie, c'est souvent compliqué d'aller s'imposer. On l'a vu notamment avec l'Égypte aux Comores ce week-end. La Côte d'Ivoire aussi. Tu peux te casser les dents sur ce genre de rendez-vous. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de personnalités dans cette équipe. Ils ont été au combat. J'ai bien aimé le match de Mazraoui, notamment au milieu de terrain. Et puis, ils ont été à la baston quand il le fallait. Ils ont été très très efficaces, ils ont marqué à des moments très très importants qui ont mis un coup sur la tête aux Burundais et on a vu hein, le Burundi, même s'ils n'ont pas fait une grande Coupe d'Afrique des Nations, ils avaient posé des problèmes au Gabon notamment, où ils avaient fait 0-0 là-bas, donc il fallait vraiment prendre ce rendez-vous au sérieux et comme le disait Samy à juste titre, ça va peut-être lancer véritablement le cycle Vahid Ali Lodzic, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a jamais vraiment démarré, peut-être hors terrain, mais sur le terrain j'ai jamais senti depuis qu'il est arrivé une osmose. Peut-être que c'est le point de départ et ça va lui laisser le temps pour travailler sur le long terme pour l'entraîneur le sélectionneur marocain. On rappelle que c'est le deuxième match donc de qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il y avait eu un 0-0 à domicile face à la Mauritanie qui n'avait pas été glorieux. Là, il y a avec beaucoup d'occasions ratées. Il y a eu cette victoire en amicale contre la Guinée juste avant. Et là, le match au Burundi, ça peut que rassurer Vahid Ali Lodzic et sa fédération. Et ses joueurs aussi, sûrement, je pense. Hein. On sait que c'est un nouvel entraîneur qui a besoin de trouver un certain équipe dans son équipe. Et on sait très bien que cette formation-là a de la qualité. Individuellement, ce sont des joueurs qui évoluent dans certains clubs, notamment Ziyech, ce qui est un peu le point de référence dans cette sélection marocaine. Mais aujourd'hui, notamment sur la rencontre du jour, moi, je trouve que surtout cette première période, on les a vus, comme le disait Walid, en face, tu avais une équipe quand même qui te rentrait dedans, qui mettait de la percussion, qui a beaucoup essayé de jouer en rapidité. Derrière, tu as cette ouverture du score où à la suite d'une erreur du gardien, voilà, tu vas chercher ce premier but qui te fait du bien, qui te permet d'avoir un peu plus de confiance et ensuite d'inscrire ce deuxième but très important avant la mi-temps qui là met pas fin à tout suspense, mais on sentait vraiment que le Burundi aussi avait pris un coup derrière la tête. Et c'est cet esprit collectif, comme on l'a dit, peut-être qui est en train de se construire parce qu'on voit que Ali Odzic est arrivé et t'attendait un petit peu en ce début de carrière marocaine. Maintenant, pour lui, tu l'as dit, dans cette compétition, sur ces deux premiers matchs, tu as 4 points. Tu as certes un premier match où tu as eu des opportunités ratées, mais tu ne le perds pas. Et aujourd'hui, tu es deuxième à égalité, je crois, avec la Mauritanie. Oui, dans, voilà, dans ce groupe-là. Donc, rien n'est. Enfin, c'est que le début de cette compétition, on va dire, de ce groupe. Mais si aujourd'hui, tu vas pas à la CAN, c'est. Oui, bien sûr. Avec la Centrafrique, mais le aujourd'hui, Burundi. Aujourd'hui, tu as un entraîneur qui vient d'arriver, qui reprend un groupe, qui essaie de construire quelque chose. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Avec la CAN à 24 et avec les deux premières places. Les deux premières places sont qualifiées. Oui, c'est pas comme la Coupe du Monde. C'est pour ça que, en fait, ça, on va dire, ça assure que les gros soient présents. Présent, ouais. Après, c'est plus la manière qui. Oui, sur la manière, mais sur le résultat brut du jour et notamment ce match face à la Mauritanie. Effectivement, tu peux avoir quelques doutes. Maintenant, tu penses que cet entraîneur commence à trouver quelque chose. Alors, on va avoir deux angles de débat sur le Maroc. Un sur Vahid si on peut faire déjà un premier bilan depuis son arrivée. Et puis après, on parlera d'un joueur d'Achraf Hakimi parce qu'il a encore fait un grand match et ça récompense son bon début de saison avec Dortmund aussi. Juste sur Vahid, il est arrivé en août. Il a donc 3 rassemblements, 2 rassemblements et demi même, parce que le premier, qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs. Comment il peut être déjà sur la sellette? Moi, alors j'ai peut-être le prisme européen qui revient, mais comment il peut être déjà autant en difficulté après seulement 6 matchs joués? Ouais, non, mais tu as la bonne analyse même. Enfin, je veux dire, c'est juste, c'est complètement incompréhensible que Vahid, après juste 4 matchs, il me semble, 4 matchs, ouais. C'est vraiment réel, ça? Oui, c'était réel, c'est réel. En fait, le problème, tu penses que s'il perd contre le Burundi, il saute?
C'était très compliqué. En tout cas, moi, j'ai eu de sources de journalistes, hein, de journalistes marocains, donc implantés au pays. Ça commençait à parler, il y aurait des réunions. Après, tu sais comment ça se passe en Afrique, il y a toujours des bruits de couloir. Il y a beaucoup, ça peut être parfois une série Netflix, comme ça peut être la réalité. Mais en tout cas, oui, il y avait des bruits de couloir, comme quoi M. Legja, le président de la Fédération marocaine, commençait déjà à se renseigner par-ci, par-là. Et surtout, il y avait une certaine envie de consommer local. Voilà, de remettre un entraîneur marocain à la tête de la sélection marocaine. Il y a aussi le fait que, tu l'as dit... Alors, quels ont été, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer, quelles ont été les fautes, si on peut appeler ça des fautes, qui a fait Vahida Ilodzic depuis son arrivée pour justifier cela, hormis les résultats, peut-être. Il y a déjà le fait que, tu l'as dit, il a été nommé en août. Renard, je crois, quitte la sélection. Il a mis du temps à quitter la sélection. Il a mis du temps à donner sa décision. On se posait un peu la question. Je pense que ça a posé problème aussi à la Fédération marocaine, parce que je ne suis pas sûr que Vahid était le premier choix de base. On sait très bien que d'autres noms avaient été évoqués, notamment Laurent Blanc. Laurent Blanc qui était le premier nom. C'était celui qui a été le plus courtisé. Il y a eu de vrais contacts avec le Maroc. Laurent Blanc Il y a eu même une rencontre. Oui, une rencontre. Bah, ils ont joué au golf, il me semble, à Marrakech. Ils ont tapé un golf ensemble. Non, mais c'est pas une blague. Toujours un peu l'actualité de Laurent Blanc. Oui, on parlera peut-être par la suite avec Pochettino, mais le Marocain est malin, ils savent que Laurent Blanc aime bien le golf. Il y a de très beaux golfs, de très beaux golfs royaux au Maroc. Ils se sont dit, normalement, l'atout est là. Voilà, eux, mais je pense que ça, ils n'avaient pas travaillé le dossier. Ils se sont dit, bon, on a des bons golfs, les gars, c'est bon. Ils sont à deux doigts de convaincre Gareth Bale de venir jouer. Non, c'est bon, donc. Mais voilà, il y a quelques moments, il y a aussi le Gallois là, qui a été amené pour s'occuper de la direction sportive. Donc voilà, je pense qu'ils ont tardé. Ilodzic n'était pas le premier choix. On connaît aussi son caractère, c'est quelqu'un qui est de très droit, qui a ses idées, c'est très difficile de le faire bouger. Le premier courant avec le groupe n'est pas forcément bien passé avec tous les joueurs. Avec certains cadres, oui, avec des joueurs comme Hakimi, avec Ziyech, il y a eu un dialogue assez délié, ils se sont dit les choses. C'est pour ça que Ziyech, parce qu'après son pénalty raté contre le Bénin, on pouvait penser que peut-être il allait faire une pause, peut-être que finalement la question ne s'est pas du tout posée, puisque Ilodzic a eu une bonne discussion avec lui, mais avec d'autres joueurs, surtout des joueurs, on va dire, locaux, les joueurs qui ont été formés au Maroc, c'était plus compliqué. On l'a vu avec la sortie de En-Nisri, qui est un joueur purement marocain, qui est sorti de l'académie Mohamed VI à Rabat. Il y a des difficultés de dialogue. Il lui a demandé de le regarder dans les yeux quand il est sorti. Oui, mais en fait, il a une attitude différente avec les Européens et avec les locaux. Je pense que c'est ça qui a créé aussi quelques tensions, et je pense aussi que certains locaux sont allés se plaindre aussi au président de la fédération. Et on sait que niveau ingérence en Afrique, le président de la fédération, il est très très fort pour ça. Alors il y a aussi eu le fait qu'on avait l'impression que quand il était arrivé, qu'il repartait de zéro, aussi. Vahida Ilodzic, il a fait beaucoup de déclarations comme si les 2-3 dernières années au Maroc ne s'étaient pas passées. Exactement, et on en parlait notamment avec Abdel qui est dans la rédaction. Au quotidien ici, on en discutait beaucoup et on avait un peu la même analyse, c'est-à-dire que clairement quand il est arrivé en termes de communication, je pense que Vahid s'est un peu trompé. Renard a quand même qualifié le Maroc pour la Coupe du Monde et ça n'était pas arrivé depuis 20 ans, avec des très très gros matchs, avec une vraie base de travail. Moi j'étais l'un des premiers ici à dire que le Maroc faisait partie de mes favoris, voire le favori à la Coupe d'Afrique des Nations. En l'espace de 2 mois, tu ne peux pas passer de favori à rien du tout. Et même sur le terrain, moi je regarde la composition d'équipe du jour, et il reste combien de joueurs du match face au Bénin? Le milieu de terrain, il n'existe plus. On le sait, El Amadi était quand même assez vieux, et je trouve que Sofiane Amrabat a fait quand même un bon petit match au poste de sentinelle, mais Boussoufa n'est plus là. Belanda a eu de gros soucis avec Galatasaray sur le début de saison, il n'est plus là. Benatia a pris sa retraite internationale. Sur les côtés, Nabil Djirar, qui était quand même un pilier dans cette équipe, qui était utilisé, il n'est plus là non plus. Alioui qui fait un très bon début de saison avec Angers, a pris la place des attaquants qui étaient en place, même si Nesri a quand même beaucoup joué la Coupe d'Afrique des Nations. On est quand même sur quelque chose qui est totalement différent. Une mini-révolution. C'est-à-dire qu'on était quand même sur un cycle Renard où moi j'ai ce sentiment, et encore une fois je vais poser la question à Samy qui suit vraiment la sélection au jour le jour, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est parti sur quelque chose de complètement différent et que Vahid, même dans sa communication, n'a même pas envie de s'appuyer sur,
sur ce qu'a fait le succès de Rodin. Ok, il y a eu cet échec contre le Bénin, mais ce match-là, on le répète, tu le joues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Sur la composition d'aujourd'hui, de joueurs locaux, il y a Nesri, il y a Sofiane Amrabat, je crois, qui est, tu veux dire formé ? Oui, formé au Maroc, je parle Il y a Nesri et Fedal qui sont formés. Bounou, il n'est pas formé au Maroc aussi, je crois. Bounou, non, il est formé, il va au WAC. Il est au Canada et il va au WAC. Donc, du coup, est-ce que, voilà, même dans les compositions, ça se ressent cette fracture entre le football local et Wydad Jelodzic ? Mais en fait, oui, on le voit. Tu as oublié aussi dans sa communication où il a complètement critiqué aussi les locaux. Il s'est énervé face à la presse et il leur a dit le joueur local, il n'a pas la condition physique, il ne connaît pas le football de haut niveau. Il leur a dit clairement, et ça, c'est très très mal passé aussi au pays. Ça a été assez vexant. T'imagines bien ce que ça peut faire si, par exemple, Belmadi aussi te sort en Algérie. Voilà, ils ont une certaine. Donc, c'est le débat qui cristallise un petit exactement, peu. Exactement, en Afrique, voilà, parce qu'ils se disent, nous aussi, on a un football, ouais. Mais bon, peut-être qu'ils ne sont pas réalistes dessus. Je pense que Ayloudid, voilà, lui, quand tu dis repartir sur quelque chose de totalement différent. Il est peut-être trop pragmatique, c'est ça ? Trop pragmatique par rapport aux forces et aux faiblesses que. Tu sens pas qu'il y a une fracture. Il y a une fracture, c'est passé avec Renard ? Il y a une fracture, je parle dans la structure de l'effectif, dans le groupe. Il y a peu de changements au final. Il a pas fait de folie. Il a pas innové, c'est juste dans le 11. Ouais. Mais dans le 11, il a été pragmatique, c'est que, comment dire, il s'est débarrassé des joueurs qui étaient vraiment en fin de carrière. Donc c'est une suite logique. Donc moi le 11 d'aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de changements. Oui, mais il change les joueurs qui ne peuvent plus être. Il y en avait beaucoup alors. On le savait, les deux du milieu, Boussoufa El Ahmadi à 34-35 ans. Moi je pensais que Boussoufa quand même allait. Il fait quand même une très très belle canne. Boussoufa, ça a été un petit peu poussé. El Ahmadi, c'est de son vouloir. Mmh. Boussoufa, lui, ne s'était pas prononcé. Donc voilà. Donc ça peut être une décision des deux. Moi je pense plus qu'il a, on va dire, rajeuni un tout petit peu le groupe, mais il a pas fait, on va dire, de grosses dingueries. Alioui était un membre à part entière du groupe. Il était là en 2017, d'ailleurs, il avait mis un magnifique contre la Côte d'Ivoire. Exactement, contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà, ce sont des joueurs, à part Amala, il n'y a pas eu de grosses nouveautés. Il reprend Idrissi, que Renard avait lancé avec le Maroc. Donc non, je pense juste, voilà. Non, le groupe, on le connaît, mais vraiment, dans le système et dans le. Moi, en tout cas, ça m'a frappé. Je ne retrouve pas, globalement, même dans le jeu. Parce que encore le match d'aujourd'hui, c'est un contexte à l'extérieur, il n'y a aucun souci, on l'a dit notamment hier avec l'Algérie, mais quand on voit comment le Maroc marchait sur ses adversaires à la maison, on se rappelle du Mali, du Gabon, il y a plein d'équipes qui sont arrivées au Maroc, ils ont pris fessé et fessé avec la manière, hein, c'est ça, jouer vraiment au football. Moi, depuis qu'Ali Lodzic est arrivé, mais là, c'est pas style de jeu d'Ailodzic de pouvoir faire déjà, du même spectacle. Si, Walid pourra en témoigner avec l'Algérie, il y a eu quand même parfois du beau jeu, donc c'est un entraîneur qui peut surprendre, mais il faut dire aussi que c'était la première fois, et il l'a dit aussi ça en conférence de pré-rassemblement, que c'était la première fois qu'il avait son groupe en entier avec ses joueurs stars. Par joueur star, il entend ses joueurs C1, donc Tarabt, Hakimi, Ziyech, et ses joueurs, on va dire, CD5. C'est joueurs du club des 5. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il les avait. Donc c'est aussi, il est au tout début de son travail. Donc c'est pour ça que voilà, on peut pas non plus lui jeter la pierre bien tout sûr. De suite. Je pense que contre la Mauritanie, il y a eu quand même de belles actions offensives. Il y a eu quand même une certaine animation. Il y a un manque de finition criant, même grave, je trouve à ce niveau-là. Mais il y avait quand même un tout petit peu de contenu. Donc je pense que pour un premier rassemblement avec son groupe. Ayloudid, il a quand même réussi à créer déjà un état d'esprit de gagnant et à créer une dynamique qui pourra servir au Maroc pour les prochaines séances. Alors sur le chat, juste parce qu'après on passe à Achraf Hakimi, à Sogut qui me dit j'ai l'impression de revoir Vahid à ses débuts en Algérie. Il avait exactement le même discours concernant les locaux. Alors là encore, c'est le curseur, savoir si il est arrivé sur les mêmes bases et s'il n'y avait pas. Non mais c'est intéressant le parallèle avec l'Algérie parce qu'il faut pas oublier que Vahid a fait beaucoup de bien dans cette sélection avec ce 8e de finale contre l'Allemagne, mais sur le continent africain, sur le plan africain, notamment à la Coupe d'Afrique, parce que c'est ça l'objectif aujourd'hui, l'objectif du Maroc, c'est de faire un dernier carré de Coupe d'Afrique des Nations. C'est avant et puis c'est avant le mondial quoi. Exactement. Et de poursuivre le cycle Renard. Moi, si je dois me placer du côté de la fédération, je pense que ce serait les objectifs de la part de Ayloudid. Maintenant, je sais pas si
c'est vraiment ce qu'on lui a, c'est vraiment ce qu'on a donné. C'est une CAN, normalement, on doit être parmi les favoris. C'est ça, les objectifs. Donc, minimum demi et une qualification pour la Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Wydad El Elodzic, notamment avec la Côte d'Ivoire et même avec l'Algérie, avec la Côte d'Ivoire, il se fait éliminer contre l'Algérie en 2010 dans ce quart d'anthologie. De quel match le 3-2 avec le but de Boisa à la 110e minute. Et derrière. Tu te fais éliminer piteusement, je crois que c'est en 2013, ouais, c'est 2013, dans une Coupe d'Afrique des Nations où tu la rates complètement avec le Togo, la Côte d'Ivoire, il me semble, et la Tunisie où M. Sakni marque à la 93e minute. J'en fais encore des cauchemars. Donc, c'est pour vous dire que sur le continent africain, Wydad El Elodzic aussi a approuvé avec le Maroc. Clairement, il n'est pas autant en terrain conquis. Quoi. Oui, il y a eu 2014, c'était une magnifique histoire. Bien entendu, qu'il s'est qualifié pour la Coupe du Monde avec l'Algérie, mais sur les Coupes d'Afrique des Nations, il a toujours pas passé le cut. Sur le chat, il y a Moustakinho qui nous dit il faut un entraîneur marocain pour transmettre l'amour du pays. Donc ça revient peut-être à ce que tu disais Samy, et pourquoi il était déjà décrié. On va parler d'un joueur, c'est la deuxième partie de cette émission. On va parler d'un joueur qui est très très bon depuis le début de l'année, que ce soit avec le Maroc ou avec son club de Dortmund. C'est Achraf Hakimi qui est buteur aujourd'hui, parce que il y a un moment où il joue aussi milieu de terrain. Cette année, il alterne entre le poste d'arrière droit et de milieu. Dominique, on t'entend moins, c'est normal, hein. Sur le football marocain, on t'entend un peu moins que sur le football brésilien tout à l'heure, mais juste, c'est intéressant de voir qu'un joueur comme Achraf Hakimi arrive à avoir de bonnes performances en Europe avec son club et aussi en sélection avec le Maroc. Oui, il y a aussi cette polyvalence qui joue pour lui, à savoir pouvoir jouer en poste de défenseur, mais aussi milieu de terrain. Mais ce qui est important, c'est que c'est encore... On a vu, on voit ses matchs, il joue latéral droit, latéral gauche, milieu droit, milieu gauche depuis le début de la saison, il a joué à ses quatre postes. On peut le mettre partout et il se sent à l'aise aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aussi la force de ce jeune joueur, parce qu'il faut en parler, c'est encore un jeune joueur qui est, je pense, encore une marge de progression assez importante, mais il prouve que ce soit en club avec Dortmund et aussi avec sa sélection qu'aujourd'hui il peut répondre présent et qu'on peut attendre de lui que ce soit peut-être pas un cadre tout de suite, mais qu'il peut avoir cette responsabilité-là de mener le secteur défensif, mais c'est un joueur sur lequel on peut s'appuyer malgré son jeune âge. Et il le prouve, notamment avec Dortmund depuis le début de saison. Notamment, moi je trouve que c'est un joueur qui commence un petit peu à passer certains paliers, parce qu'on pouvait le voir un petit peu irrégulier de temps en temps, mais cette saison, sur le début de saison du Borussia Dortmund, moi je le trouve vraiment intéressant. Et j'espère véritablement pour lui qu'il pourra confirmer tout au long de toute cette saison, mais aussi franchir donc ce fameux cap, ce fameux palier, exactement, sur les prochaines saisons. Après, à savoir s'il restera à Dortmund, ça, je ne suis pas sûr. Moi, je suis convaincu qu'il peut avoir... Je pense qu'il va partir au Real. Hein. Il va retourner au Real. Il était prêté 2 ans. Donc, oui, mais ça reste quand même une étape importante. Il voulait même le reprendre dès cet été. N'ayons pas peur des mots. Depuis le début de saison, Achraf Hakimi est le meilleur joueur de Dortmund. Pour moi, il n'y a pas de discussion. Reus a enchaîné les blessures. Sancho a beaucoup de mal depuis le début de saison. C'est le plus régulier. Ah oui, non, mais c'est... Embouteillé a commencé. Non, mais clairement, que ce soit le match en Ligue des Champions contre l'Inter Milan, où c'est lui qui impulse la remontada, le match contre le Slavia Prague, et Dieu sait que c'est compliqué d'aller au Slavia Prague, aller demander à l'Inter ou au Barça, il avait été énorme, et c'était lui qui avait mis le premier but au terme d'un rush extraordinaire. Alors attention, c'est comme sur Guendouzi, il y a 2 semaines où il y en a qui ont mal compris. Non, Guendouzi, c'est pas le meilleur joueur d'Arsenal. Je dis pas intrinsèquement, bien entendu que... Mais c'est celui qui réalise le meilleur début de saison. Aujourd'hui, Achraf Hakimi est le meilleur joueur de Dortmund. Peut-être que dans 6 mois, il sera blessé ou qu'il sera pas bon ou qu'il terminera à Leganés. Aujourd'hui, c'est le cas et il montre quelque chose. Il montre des choses vraiment, vraiment intéressantes. Moi, il me bluffe match après match et sa polyvalence, faut pas l'oublier. Mais justement, c'est là où on peut se poser la question. Samy, où est-ce qu'il peut être le plus utile avec le Maroc, Achraf Hakimi? Il a prouvé qu'offensivement, il pouvait être intéressant, encore aujourd'hui, quand il commence arrière droit, mais il finit milieu droit avec la rentrée de Dirard et il marque au poste de milieu droit. Cette polyvalence, elle peut véritablement aider Wade. On sait qu'il avait joué à latéral gauche aussi pendant la CAN. Là, il se met au milieu. C'est là où il peut être le plus déterminant. Où tu penses avec le Maroc, où il peut être le plus déterminant? Avec le Maroc, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi d'autres latéraux qui peuvent combler. C'est plutôt bien fourni. Ouais, c'est plutôt fourni avec Mazraoui et Mendy, qui a fait un match plutôt honnête. Il retrouve du temps de jeu avec Dijon cette saison en Ligue 1, donc c'est une bonne chose pour le Maroc, et donc ça permet de profiter d'Hakimi un petit peu plus haut. Et là où je suis pas d'accord avec toi, je trouve que le palier, il en a déjà pour moi franchi un depuis son départ du Real Madrid. Je pensais pas qu'il allait atteindre ce niveau-là assez rapidement. C'est bénéfique pour le Maroc, puisque maintenant sa polyvalence lui permet de
d'être un vrai cadre de la sélection marocaine et un cadre qui se permet d'avoir maintenant des stats et d'être décisif. Et moi, je trouve, je voudrais juste rajouter une chose par rapport à son évolution. On sait, voilà, c'est un joueur qui a du coffre. Il nous a montré qu'il avait du coffre. C'est un joueur qui avait de l'envie. Et je trouve que techniquement aussi, il s'est affiné. Avant, c'était des mouvements beaucoup plus amples. C'était beaucoup plus compliqué pour lui. Je trouve qu'il s'est affiné et il progresse de saison en saison. Quand tu vois son match contre l'Iran il y a 2 ans et le Hakimi du début de saison. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles aussi quand il joue à gauche. Tu doutais de sa capacité technique à assurer sur le faux pied. Et je trouve qu'avec le Maroc, il est beaucoup plus handicapé par ça qu'avec Dortmund. À Dortmund, c'est pas du tout visible. Et d'ailleurs, moi, je te disais, c'est vrai que et même ça, je trouve qu'il continue à l'améliorer match après match. Donc là où il sera le plus utile. Tout dépend aussi de ce que Vahid veut faire, mais c'est clair que s'il peut apporter une plus-value offensivement, surtout qu'en ce moment, le Maroc, au niveau offensif, se cherche et n'a pas de numéro 9 attitré, ou en tout cas qui stat vraiment... Donc c'est important d'avoir d'autres joueurs qui puissent pallier à... Et même dans l'état d'esprit, hein, sur le but, il va voir Vahid, il l'embrasse. Tu sens qu'il a un rôle important dans le vestiaire et qu'il commence à s'émanciper un peu du rôle de rookie. C'est même peut-être plus que ça, puisque on a vu que le capitaine a bougé. Voilà, il y a eu Ziyech aujourd'hui, c'était Saïs. Peut-être ce sera Hakimi les prochains matchs, parce qu'on sait que voilà, il y a une vraie relation entre le sélectionneur et Hakimi. Est-ce que maintenant voilà, c'est un peu tôt quand même, non, le capitaine. Oui, il a quoi, il a 21 ans. Ouais. On parle de Ziyech. Ça fait très longtemps que le Maroc n'avait pas eu des joueurs qui jouaient régulièrement dans des grands championnats et jouaient les premiers rôles dans leur championnat. Et jouer aussi l'AC1 et jouer aussi les premiers rôles anciens. Je crois même que moi, de mon vivant. De ton vivant, ça t'est jamais arrivé ? De mon vivant, j'adore cette expression. De mon vivant, ça ne m'était jamais arrivé. Non, mais c'est vrai de voir autant de joueurs marocains avec des rôles aussi importants. Présents dans les grands clubs. Oui, voilà. Je voyais que rarement ça. Il y avait eu l'époque Hadji et l'époque Naïbel, mais voilà, c'était un seul à la fois. Et encore, Hadji, il n'a eu qu'une seule saison. Donc c'était très rare. Donc là, on met beaucoup de pression sur Ziyech. On dit que voilà, Ziyech est le leader. Saïs est beaucoup plus dimensionné par son vécu en sélection. Pour être capitaine. Oui, pour être capitaine. Je suis pas sûr que ça l'aide, moi, Hakimi. Je suis d'accord avec toi, mais on sait aussi qu'en Afrique, le statut du club où tu évolues joue énormément. Si Hakimi continue sur cette lancée, même s'il n'a que 21 ans. Est-ce que c'est bénéfique, ça, toi? Est-ce que c'est... On a aussi vu des cas où ça peut te faire plonger, où ça peut te faire prendre... Ça te permet ça t'empêche de te concentrer uniquement sur le terrain. Je comprends ce que tu veux dire, mais je comprends. Et ça peut inhiber. Ça peut inhiber séparément. C'est une possibilité. Ou le contraire, se prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. C'est une possibilité. Mais maintenant, se prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Mais aujourd'hui, le leader, c'est Ziyech. Mais qui te dit leader technique, je dirais. Mais sur les performances, sur l'aura, qui te dit que Hakimi, s'il revient la saison prochaine au Real Madrid et qu'il s'impose au Real Madrid, ne deviendrait pas le joueur marocain le plus en vue. Et ça peut aussi jouer dans le choix du sélectionneur. On sait que voilà, un joueur qui a une énorme aura en Europe, s'il te joue des demi, des finales de C1, peut-être que voilà. Après, pour moi, c'est un futur capitaine de la sélection marocaine. Aujourd'hui, je pense que Saïs remplit beaucoup plus le cahier des charges. Parce que c'est un joueur espagnol. Il a été formé en Espagne. C'est un joueur de culture espagnole. Il ne parle pas français couramment. Donc il y a ça aussi qui peut jouer. Parce qu'il faut vraiment un joueur polyglotte qui soit. Parce que Saïs parle français, parle arabe. Il y a des choses qui peuvent aider aussi. Sur le chat, il y a Itza78260, alors je pense qu'il vient de Acher, Acher qui est une ville dans les Yvelines que je connais, qui était à côté de chez moi, donc bon, voilà, qui nous dit Hakimi, Sofiane Amrabat, Amin Harit, Mazraoui, En-Nesyri, ils ont tous moins de 23 ans, Ziyech à 26, faudrait construire autour de ces jeunes-là, alors peut-être que c'est le projet de Vahid de faire en sorte qu'il y a de quoi faire, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de reconstruire, c'est plus une continuité que de repartir à zéro. C'est pour ça que je suis un peu sceptique par rapport à ce que fait Vahid, mais j'espère en tout cas qu'ils vont lui laisser le temps au moins un an et demi. Il y aura un rassemblement, rassemblement en mars, il y a le temps, il y a une CAN. La CAN, elle est qu'en 2021. On parlait de communication, on va parler de l'imbroglio avec Amin Harit qui a été au CFC la semaine dernière et qui a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas appelé, qu'il avait mis ce petit lol sur Twitter. Il y a beaucoup de choses, et en termes de communication, la communication de Vahid Elilhodžić, c'est ça. Non, mais il est dur. Il y a Schneider qui a répondu, parce que voilà, Elilhodžić avait dit qu'il prenait pas soin de la condition physique d'Harit, et Schneider a répondu, il n'était pas très heureux. Alors que Harit, on parle de Hakimi,
C'est censé être oui, c'est un des meilleurs joueurs de Schalke aussi depuis le début d'année. Il faut dire aussi qu'il y a aussi quelques binationaux qui sont ciblés. En tout cas, le Maroc travaille aujourd'hui avec. Alors vas-y, donne-nous deux. Bah, il y avait eu Yataren du PSV qui avait été grave travaillé. Monsieur a choisi les Pays-Bas. Il a été convaincu par Coman, qui d'ailleurs ne l'a pas sélectionné avec le groupe des As. Ça fait plaisir. Ça. Ça a beaucoup fait rire au Maroc, quoi. Mais toi, ça te fait rire, toi? J'ai ri. Pour être honnête, j'ai ri. Il a commencé avec le monsieur, mais là, il n'a pas été sélectionné. Pour être honnête, j'ai ri, parce que voilà, il fait son choix et il n'est quand même pas pris. Et voilà, il a le droit de choisir. Oui, mais enfin, il fait ce qu'il veut. Mais Coman, pour le convaincre, lui avait dit voilà, si tu nous choisis, je vais te sélectionner. Il a 18 ans, oui, mais bon. Ouais. C'est actuellement le meilleur prospect en Eurodivisie. Il y avait Guendouzi aussi à un moment. Guendouzi, on n'y croyait pas trop. Non, c'était. Et il y a eu Brahim Diaz, c'est ça? Il y a Brahim Diaz et il y a Sofiane Alakouche de Nîmes qui est plus ou moins à plein espoir. Il n'était pas là dans le groupe récent d'ailleurs. Sofiane Alakouche, je pense que vous allez l'avoir. Il y a des chances. Ouais. Y a des chances. Et donc, ça ferait... Après, vu la pénurie d'arrière droit en équipe de France, ouais, aussi, dépend. Mais il n'est pas appelé en espoir. Hein. Il était appelé. Quand il est appelé, il ne joue pas forcément. Donc voilà, c'est assez compliqué. En tout cas, Ripoll ne semble pas compter pleinement sur lui. Il a deux idées en tête. Est-ce que le poste d'arrière droit est le poste où le Maroc a le plus besoin de monde? C'est pas non plus. Oui, mais à la couche aussi, il y a une certaine polyvalence. Tu peux le faire. En tout cas, il n'y a pas un grand numéro 9 non, dans les magasins. Tu as pris ta retraite internationale. Vaïd va partir au charbon. Il a dit qu'il va nous trouver, donc on lui fait entièrement confiance, mais actuellement il y a pas de numéro 9. Vaïd Yazik va partir au charbon. Mais il va arriver avec son baluchon, tu sais, un peu comme dans les films. Non mais tu rigoles, il n'y a pas de numéro 9. mais parce qu'il a dit, c'était il y a un mois dans la conférence de presse du dernier rassemblement. Il a dit oui, bon, on n'a pas de numéro 9, mais bon, s'il existe sur cette terre, non, vraiment, il l'a dit comme ça, s'il existe sur cette terre, je le trouve. Voilà, je vais aller trouver, on va envoyer des scouts partout et je vais vous ramener un numéro 9. Benzema, apparemment, il a besoin de... Il a fait une grand-mère, ça passe, hein, on prend. J'ai failli me lancer dans une imitation de Vaïd Elodzic, je me suis dit que j'allais vous épargner ça. Adoré. Donc je vous épargne ça. C'est là qu'on voit que ton cerveau, il est con. Ouais. On passe à la troisième partie de cette émission. La troisième partie de cette émission, elle est sur le Brésil. Le Brésil qui s'impose 3-0 face à la Corée du Sud. Le Brésil avec Tite qui fait quelques essais, notamment à des postes clés. On va en parler... On va en parler des essais de Tite. Juste, on voit la fiche match de cette rencontre. Une victoire 3-0, un but de Paqueta de la tête, un but de Coutinho sur coup franc, un but de Danilo. Dominique, enfin une victoire pour le Brésil depuis, c'est la première depuis la Copa América. Ça fait du bien, même si c'est un amical, même si c'est joué à Abu Dhabi, etc., etc. Ça fait du bien de gagner un match. Ouais, c'était l'objectif principal de cette rencontre. Il l'avait annoncé en conférence de presse, Tite, en indiquant qu'il sentait véritablement la pression désormais de plus en plus grande sur ses épaules et sur son équipe, et que le Brésil devait remporter ce match coûte que coûte, même si forcément peut-être que la manière ne serait pas présente. Et aujourd'hui, ils ont rempli le contrat, on va dire. Ils ont fait ce qu'il fallait, notamment avec une très bonne entrée en matière et un Paqueta qui s'est montré par rapport au match face à l'Argentine, où on avait été très critique à juste titre pour lui. Il l'a remis titulaire. Il l'a remis titulaire, voilà. Au moins, il lui a accordé encore sa confiance. Après son match contre l'Argentine, il le sort à la mi-temps contre l'Argentine, et il le remet titulaire dans la foulée contre la Corée. C'est bien parce que tu ne l'enterres pas et tu ne lui dis pas que c'est terminé pour toi. C'est-à-dire que tu lui dis, voilà, tu as encore une nouvelle chance, montre-moi ce que tu sais faire. Tu nous as montré certaines belles choses, notamment lors des amicaux sur lesquels il avait pu évoluer de temps en temps. Et aujourd'hui, sur cette première période, en tout cas, il a montré beaucoup plus de volonté, était beaucoup plus disponible. Et derrière, tu as Coutinho qui vient t'inscrire ce magnifique coup franc et Danilo, ce troisième but. Après, dans la production, on y reviendra, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais voilà, l'objectif était clair aujourd'hui, c'était la victoire et rien d'autre. Ils l'ont eu, ils peuvent terminer l'année 2019 sur une note un peu plus positive. Donc on va dire qu'aujourd'hui, tout est bien pour le Brésil. Il y a eu quelques essais qui ont été faits par Tite. On va voir la composition qu'il a décidé de mettre, notamment Renan Lodi sur le côté gauche qui a fait un bon match. Ça a tourné derrière avec Eder Militao qui était associé à Thiago Silva lors du premier match. Là, c'était avec Marquinhos. Fabinho, enfin titulaire avec le Brésil, on en parlait après le match contre l'Argentine. Et puis Richarlison aussi devant.
C'est des tests qui ont été satisfaisants pour, ouais, toi, pour toi, Walid, aujourd'hui. Surtout Lodi et Fabinho. Après, on connaît la qualité de Fabinho. On l'a vu à Monaco, on l'a vu, on le voit à Liverpool, notamment sur son dernier match contre Manchester City. Le gros problème, et on l'a toujours dit, et je l'ai toujours dit à Dominique, c'est qu'il a un joueur qui s'appelle Casemiro, qui a un vécu énorme, et je ne suis pas sûr qu'ils soient compatibles les deux dans un double pivot. Tite nous a quand même répondu à la question. Il n'a pas associé les deux. Il sait qu'il faut mettre un joueur un peu plus technique à côté pour essayer d'être dans la création, et je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, Fabinho Arthur. La même chose pour, tu l'as dit, Renan Lodi, qui, on en a parlé avec Hakimi tout à l'heure, lui aussi fait un bon début de saison avec l'Atlético Madrid. C'est un joueur que moi je ne connaissais pas, pour être honnête, avant son arrivée. Il a pris cette place de latéral et il enchaîne les matchs, il a cette grosse intensité, il dédouble énormément et puis il a une qualité technique. Il est dans la veine des latéraux brésiliens qu'on connaît. Il n'a peut-être pas leur niveau, c'est pas Marcelo, c'est pas Cafu ou Roberto Carlos, mais il est en train de petit à petit rentabiliser les minutes que Tite lui donne, et je suis persuadé qu'il sera dans le groupe à la Copa América 2020, parce que c'est devant, pas là devant Marcelo et Marcelo, il est Marcelo dans, je pense il, qu'il est plus trop dans l'équation en ce moment. Ça fait quoi, ça fait un avant la Copa América, la Copa América il l'a fait pas, oui, mais le Brésil on sait jamais, honnêtement. Moi je pense qu'il sera derrière Alexandro, et en tout cas c'est pas comme si Je dis pas ça parce qu'il a fait un très bon match aujourd'hui contre la Corée. C'est pas là, je parle sous contrôle de Dominique, mais c'est pas la première fois que Tite lui donne des minutes et où il fait des bonnes rentrées. Donc je pense que il est en train de tirer son épingle du jeu à ce poste-là. Alors on commence par Renan Lodi et puis après on parlera de Fabinho. Renan Lodi, oui, il a mis du temps à être titulaire à Atlético aussi. Maintenant ça devient un des cadres de cette équipe. Là aussi avec le Brésil, Tite va l'incorporer au fur et à mesure. Et ce que tu penses qu'à l'horizon Copa 2020, il aura pris la place d'Alexandro ou pas encore? Walid disait qu'il partirait déjà, derrière. Si il est dans le groupe, on va y aller étape par étape. Dom, toi tu le vois comment? Mais moi je le vois même devant Alexandro pour la Copa. Si... Oh purée, Emi. Oh, il y va. À vite tranché. Voilà, au bout d'un moment. Filez-moi ça. On se dans le plein. Arrêtez vos conneries. On va être sérieux deux minutes. Non, sérieusement, c'est que Renan Lodi, donc depuis la saison dernière, Atlético Paranaense, c'était le joueur en vogue du côté du Brésil à ce poste-là. Et l'Atlético Madrid a fait un bon recrutement, parce qu'il est encore jeune, faut pas l'oublier. Mais du côté de l'Atlético, il a su aussi s'imposer assez rapidement et il a été même préféré à un joueur comme Alex Telles. Donc on parlait beaucoup d'Alex Telles à Atlético et finalement c'est Renan Lodi qui a été préféré. Lui aussi, avant la Copa América, en amical, il avait été plutôt bon. Exactement. Et aujourd'hui, un Renan Lodi, il était titulaire face au Nigeria et il a prouvé déjà face au Nigeria que sur ce côté-là, il était performant. Et on le voit encore aujourd'hui sur la rencontre par rapport au match face à l'Argentine. Alors c'est un adversaire différent, c'est un contexte différent. Mais entre lui et Alexandro, c'est le jour et la nuit. Offensivement, je parle. Offensivement, aujourd'hui, Renan Lodi, c'était quasiment un ailier. C'est lui qui donne la passe, notamment pour Paqueta. La première passe, et je crois même que sur le troisième but, sur le centre, sur Danilo, c'est lui qui sort encore sur le côté. Il a multiplié les allers-retours et défensivement aussi, il a été très performant. Donc aujourd'hui, il allie donc ce côté défensif et aussi cet apport offensif sur ce côté gauche, chose qu'on a très peu vu, moi je trouve, avec Alexandro. C'est un très bon joueur, ça je ne remets pas en doute ou en question son niveau, mais avec la sélection nationale, moi je reste toujours un peu sur ma réserve sur ce joueur-là, sur Alexandro. Et aujourd'hui il profite de sa blessure et il a prouvé sur cette rencontre que par rapport à Alexandro, aujourd'hui il était devant lui. Maintenant ça demande la confirmation sur les prochains mois, mais moi je pense clairement que dans l'esprit de Tite, il a marqué beaucoup de points, puisque dans le secteur et dans l'animation offensive, tu as une différence entre Alexandro et lui quand l'un joue et quand l'autre ne joue pas. Aujourd'hui, les concurrents, c'est quoi? Philippe Luis, c'est terminé. Philippe Luis, il est resté au Brésil à Flamengo, il ne devrait pas revenir. C'est lui qui était titulaire à la Copa. T'as Marcelo, qui on ne sait pas son niveau quand il revient d'une blessure, et s'il est titulaire du côté du Real Madrid, et après, ça va jouer avec Alexandro et lui. Et aujourd'hui, moi, sur la prestation, je parle en équipe nationale. En équipe nationale. Et même avec la Juventus, Alexandro, il est en train de stagner, hein, il n'est pas en train de casser la baraque tous les week-ends. Il y a le problème d'Alexandro. Mais sur la communication autour de Marcelo, il y a des explications au pays, il y a quelque chose. Marcelo, la saison dernière, il fait une mauvaise saison, il est blessé. Donc Tite ne le prend pas parce qu'il n'est pas à 100% à la Copa América. Et depuis septembre, il a encore eu quelques blessures, notamment là, s'il n'était pas appelé, c'est parce qu'il était encore blessé. Donc aujourd'hui, c'est que il est en méforme. Donc c'est que s'il est à 100% physiquement, tout dépend du niveau qu'il aura au Real Madrid. Parce que sur ses derniers mois au Real Madrid, il n'a pas été bon. C'est pour ça que Tite ne l'a pas pris. Parce qu'il n'a pas été bon, clairement. Même s'il y a eu des histoires de blessures, c'est que dans son rendement, il n'a pas été performant en club. D'accord. Donc il ne va pas le prendre en sélection. Alors, Renan Lodi est un premier choix. Fabinho, c'est aussi un choix de Tite.
au milieu de terrain du Brésil avec un, voilà, Wally disait c'est soit lui, soit Casemiro. Avoir Fabinho avec un Arthur à côté, ça permet d'avoir une touche technique en plus de l'abattage physique. Tu trouves ça intéressant comme choix? Moi je trouve, comment dire, on reconnaît aussi de plus en plus le Fabinho que l'on peut voir avec Liverpool, et ça montre, ça témoigne d'une grande confiance du joueur et qui se sent à l'aise en sélection. On sait que voilà, l'histoire d'amour a été assez compliquée entre le maillot Oriver et Fabinho. Elle a mis du temps à se faire. Elle a mis du temps à se faire, ouais, parce que voilà, à un moment donné, il me semble qu'il le voyait comme un arrière droit, c'est ça. Alors que lui, le propre à la Copa América, ce qui bon. Après, le résultat de la Copa América lui donne raison à Tite, mais c'est vrai que c'est un joueur qui mérite. Mais ça date déjà de un joueur à son poste qui a fait une belle Copa América quand même. Oui, en arrière droit. Oh, en arrière droit, était pas mal. Ça date déjà. Même avant 2000, oui, avec Dunga, effectivement, il le prenait, mais il le faisait pas jouer. Il y avait déjà ce débat. Donc maintenant, après, c'est comme le problème aussi avec Marcelo. J'ai l'impression qu'au Brésil aussi, au niveau des structures de sélection, ça bouge beaucoup. Et surtout, ça dépend aussi des joueurs en forme. Il y a des cadres quand même qui sont installés, un petit peu comme Marcelo. Je pense que Casemiro part avec une longueur d'avance même monstrueuse sur Fabinho. C'est ça son plus gros problème. Puisque en tout cas, dans la performance, il a répondu présent aujourd'hui déjà. Il a fait un très bon match. Mais je pense que voilà, dans l'esprit du sélectionneur, il y a quand même des joueurs qui sont devant lui quand il arrive à 100%. Donc c'est ça son principal problème. Mais c'est clair que lui, il peut s'imbriquer totalement dans l'équilibre brésilien. Je vois ça comme une hiérarchie de gardiens, c'est-à-dire que ouais. Casemiro est arrivé numéro 1, Fabinho numéro 2. Aujourd'hui, chacun se fera son propre avis, mais pour moi, dans la dynamique récente, Fabinho est meilleur que Casemiro, mais il y a un vécu en sélection, et Tite met Casemiro en premier. Et puis surtout, le problème de l'association, parce qu'il y en a qui aimeraient les voir à deux, on l'a vu, Fernandinho était le numéro 2 de Casemiro, on les a vus sur le premier match contre la Bolivie, la première mi-temps, elle est immonde. C'est pas beau, les deux ensemble, c'est pas beau. Les deux, c'est des jumeaux, ils font exactement la même chose, c'est des sentinelles, ils ratissent, c'est compliqué. Bon, après, Fabinho a peut-être une touche technique qui est un peu plus intéressante que ces deux-là. Bien sûr, mais le problème, Fernandinho, attention, c'est pas Sheik Ndoye, et je salue Sheik Ndoye, mais il est pas manchot avec les pieds, à l'époque du Shakhtar Donetsk. Manchot avec les pieds, oui, pourquoi pas. je suis fatigué. Non, je vois ce que tu veux dire. On a vu ce que tu veux dire. Voilà. Et puis surtout, au Shakhtar Donetsk, si on se rappelle bien, Fernandinho était numéro 8, presque créateur, un peu comme Fred. Et il a reculé au fil du temps quand il est arrivé à City. Je pense pas que ce soit un problème technique, soit plus un problème de projection. Et puis surtout de ce que tu fais avec le ballon. Est-ce que tu es un vrai créateur? Est-ce que tu as cette capacité d'être dans les relais comme pourrait l'être Arthur ou un Coutinho? Et c'est comme l'a dit Samy, c'est plus ça le problème de Fabinho aujourd'hui. J'ai une question pour vous deux, plus pour Dom, le spécialiste, mais toi aussi, quid de Alan? Alan est-il totalement out des plans du sélectionneur? Parce que ça rajouterait aussi une concurrence en plus et un choix cornélien en plus. Non, Alan est encore dans l'esprit de Tite aujourd'hui. Il a préféré sur ce rassemblement prendre Fabinho, mais si Alan continue, même si on sait qu'avec Naf c'est un peu compliqué, donc... Pour lui aussi, ça passe par le club avant tout. Si tu n'es pas bon au club ou si c'est un peu plus compliqué, tu n'es pas pris en sélection. Mais il reste vraiment dans ce groupe élargi de Tite. Et si jamais avec Naples, ça se passe un petit peu mieux, il pourrait revenir. Maintenant, moi, je pense que Fabinho mérite clairement sa place. Mais ça, ce n'est pas depuis hier, mais vraiment depuis très longtemps. Et ce qu'il fait avec Liverpool, depuis qu'il est titulaire, parce qu'on se rappelle qu'avec Liverpool, au début, il n'était pas titulaire. Mais depuis qu'il est titulaire, aujourd'hui, il est rayonnant à ce poste-là. Et dans cette association, moi, effectivement, c'est quelque chose où je voudrais quand même que Tite teste. Il a fait énormément de tests depuis septembre, mais je voudrais vraiment qu'il mette Casemiro et Fabinho pour voir. Il l'a fait sur quelques minutes face à l'Argentine en deuxième période, mais pas assez longtemps. Moi, aujourd'hui, un joueur comme Arthur qui est sur le déclin physique, soit avec le FC Barcelone, il n'est pas très bon en ce moment. Et même avec la sélection. Il fait pas un mauvais match. Aujourd'hui, il fait un match relativement bon. Maintenant, sur les derniers matchs avec la sélection nationale, il n'a pas été performant. Et donc, aujourd'hui, tu as besoin d'apporter quelque chose de nouveau et de tester quelque chose de nouveau. Je me rappelle que Fabinho, à Monaco, il jouait avec Bakayoko. Les deux arrivaient très bien à être complémentaires. Et je pense que dans ce système de jeu de Tite, si tu rajoutes un Coutinho qui, lui, sera vraiment le créateur et un Neymar qui pourra te faire des différences, je pense que ces deux milieux récupérateurs peuvent jouer ensemble. Maintenant, tu dépendras de l'animation offensive. Après, Dominique, Arthur, il a quand même fait une demi-finale et une finale de très très haut niveau en Copa América. Bien sûr, ça lui donnerait un petit crédit, c'est ça? Oui, il a un crédit. On lui en voudra pas à Tite de lui donner ce petit crédit-là. Il a été le chercher. Maintenant, sur les derniers matchs. À 22 ans, faire ce genre de performance-là. Oui, mais tu peux connaître des creux. Il est partant sûr sur le double pivot. Ah non, il n'est pas partant sûr, mais je peux comprendre. Que ce soit en termes de complémentarité et en termes de vécu, que ce soit...
en club, parce qu'au Barça, il a quand même fait de très bons matchs cette saison. Il y a aussi des matchs où il est passé à côté, à l'image du Barça ou avec le Brésil. Je peux comprendre que si on coche toutes les cases... Qu'il ne soit pas remis en question complètement. Tu vois. Je ne dis pas qu'il faut le mettre de côté. Bien sûr, je ne dis pas ça. Je dis qu'aujourd'hui, sur les dernières prestations qu'il a fait avec l'équipe nationale, il n'a pas été bien bon. Bien sûr. Donc aujourd'hui, comme Tite, c'est dans une période de test pour voir ce qu'il peut donner pour la Copa América. N'hésite pas à mettre Fabinho et Casemiro. Si tu dois constituer le 11, allez, on est quoi? On est en novembre, la Copa América, là en juin. Ouais. T'as quoi? T'as Alisson de sûr, t'as Thiago Silva, Marquinhos de sûr. Les deux côté droit, on sait pas, mais... Danilo, ça a l'air plutôt bien parti quand même. Non, mais c'est pas sûr encore. Non, mais je vois bien tes réticences envers Danilo, mais est-ce que t'as mieux? Mais il est là le problème. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que... c'est un choix par défaut. C'est ça qui est inquiétant. Par contre, sur ce qu'il y a de sûr, le double pivot, Arthur Casemiro... Normalement, c'est dedans. Tu as Coutinho. Neymar. Tu fais une place pour le numéro 10 du PSG. Voilà. Tu fais une place pour Gabi Jesus à droite. Tu mets Coutinho en 10 et t'as Firmino en 9. Donc, c'est quoi les deux places? Les deux places, c'est les deux latéraux, finalement. Alors, juste pour terminer sur le Brésil, aujourd'hui, il a titularisé Richarlison devant à la place de Firmino, parce que Firmino, il ne fait pas de bonnes prestations avec le Brésil depuis la victoire à la Copa América. Ça peut être une alternative, Richarlison? Ça peut être quelque chose de sérieux de le voir titulaire? Ou non, c'est, là encore, c'est du turnover et on sait que, de toute manière, ça sera coché par Firmino. Oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a eu sa chance et il n'a pas su la saisir dans ce rôle de numéro 9. C'est un joueur qui est généreux dans l'effort, mais qui a plus l'habitude de jouer sur un côté. Mais du côté de Fluminense, il est plus aligné sur le côté droit qu'en pointe. Même Everton, hein, de temps en temps. Il joue aussi à droite de temps en temps. Moi, je le préfère à droite qu'à 9. Exactement. Et aujourd'hui, on l'a testé en numéro 9, mais il n'a pas répondu présent. Alors, il a eu une bonne débauche d'énergie, mais il y a eu très peu de combinaisons avec Gabriel Jesus ou même avec Coutinho. Il a été trop isolé. Même de changement, parce que Richarlison peut aussi se décaler à droite et Gabriel Jesus partir. Très peu fait aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, ça a été très. On l'a quasiment pas vu, et même dans ce jeu de décrochage, il est moins à l'aise qu'un Firmino. Firmino, c'est très bien qu'il aime bien participer au jeu. Richarlison est plus dans la recherche de la profondeur. Donc, pour moi, ça a été un test aujourd'hui qui n'a pas été concluant. Et clairement, là aussi, dans ce poste de numéro 9, Firmino part avec une longueur d'avance, mais j'ai envie de dire aussi encore un petit peu par défaut, parce que derrière, en vrai numéro 9, à part Gabriel Jesus qui commence à prendre sa place côté droit, je n'ai pas grand. Et Gabigol qui reperforme au Brésil. Gabriel Barbosa. Barbosa qui lui est performant au Brésil. Alors, c'est dommage pour lui qu'il n'ait plus pu être convoqué parce qu'il va faire la finale de la Copa Libertadores, donc il a été laissé à la disposition de Flamengo. Il a une grosse cote actuellement. Il a une grosse cote et surtout il était présent lors des matchs amicaux d'octobre. Et c'est un joueur qui, sur toute la saison avec Flamengo, a prouvé que dans ce poste de numéro 9, alors c'est pas son poste originel, il peut répondre présent. Maintenant, ça demandera confirmation en équipe nationale. Mais il sera pris, très peu test. Non, il était laissé. Les joueurs locaux étaient laissés. La finale de la Libertadores. Mais sinon, il aurait été pris. Il a été pris en octobre et normalement, il aurait été pris sur ce rassemblement-là. Après, c'est vrai qu'à partir de l'année prochaine, tu n'auras que deux rassemblements, il me semble, ou un seul en mars avant la Copa América. Ça laisse très peu d'opportunités pour lui d'être testé en numéro 9. On verra. Donc, c'était les essais de Tite pour ce match face à la Corée du Sud. Tu as un dernier mot à rajouter, Samy? Vas-y. Vas-y. Juste, est-ce qu'on va parler de la Corée? On parle pas de la Non, Corée. Tu veux parler de la Corée? On a une grosse partie Tottenham avec Tottenham. Non, mais vite fait, c'est la Corée. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu l'avais lancé sur la Corée... Non, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est la première fois que je vois une défense avec quatre défenseurs qui s'appelaient Kim. Voilà, c'est Kim. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais je voulais en parler, c'est quand même un fait extraordinaire. Oui, Kim et Kim. T'as préféré lequel? Mais j'ai préféré Kim. Il fallait la faire, il fallait en parler. On va avoir des gens sur le dos là. Je me désolidarise de ce que tu veux faire. Je vais en parler, etc. C'était donc les essais de Tite aujourd'hui donc face à la Corée de Kim avec Renan Lodi, avec Fabinho, avec Richarlison. Moi aussi j'ai préféré Kim. On va vous laisser quand même le numéro de téléphone de Samy pour reparler de la pression des Coréens. Voilà, c'est ça l'analyse. Est-ce qu'il a marqué aujourd'hui? Ça l'a marqué. On passe à la dernière partie de cette émission. La dernière partie de cette émission, c'est l'information du soir. On fait on enlève un petit peu le football international pour revenir au football de club. Ça sera notre petite transition. La prochaine émission, ce sera vendredi, donc on pourra avec parler un beau des clubs. Il y aura un beau PSG Lille vendredi. Ouais, comme ça, je vous préviens. Comme ça, on vous donne un petit repos de deux jours. Hein, les socios vous êtes tranquilles. Ni demain soir, ni jeudi soir, il y aura des missions. Du coup.
L'information du jour, c'est Tottenham qui vire Mauricio Pochettino. On va poser la question de savoir plus tard si vous comprenez cette décision. On va voir les déclarations du club, notamment Daniel Levy, le président. Nous étions extrêmement réticents à opérer ce changement et ce n'est pas une décision que le Conseil a prise à la légère. Malheureusement, les résultats nationaux à la fin de la saison dernière et au début de cette saison ont été très décevants. Il incombe au Conseil de prendre les décisions difficiles. Celle-là l'a été davantage compte tenu des nombreux moments mémorables passés avec Mauricio. Mais nous le faisons dans le meilleur intérêt du club. Voilà pour Mauricio Pochettino. Alors celle-là, je voulais en parler tout à l'heure, mais on va en parler tout de suite aussi. Parce que dans la question de tout ce qui est arrivé après cette éviction a un peu choqué, et notamment parce qu'on se dit, mais quand même, Mauricio Pochettino est allé en finale de Ligue des Champions avec ça. Donc on la reverra tout à l'heure, cette déclaration, pour savoir l'explication de Daniel Levy. Samy, comment tu jauges ça? Est-ce que tu trouves ça normal? Alors c'est vrai que Tottenham ne va pas bien depuis le début de la saison, que même en Première Ligue l'année dernière, c'était déjà pas glorieux. Bon, ça fait quand même quatrième place, c'était quand même pas mal. Mais est-ce que tu trouves ça normal, dans un but d'électrochoc, de virer Mauricio Pochettino qui a amené ce club si loin? Non, je vais pas dénoter même du ressenti global qu'on peut lire ou entendre sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai été plutôt choqué et attristé par cette nouvelle, car franchement, enfin, j'ai du mal à comprendre. Je trouve ça assez ingrat. Hein, je vais pas te le cacher, ni vous le cacher. C'est quand même un entraîneur qui a réinstallé Tottenham, ou même installé Tottenham de manière régulière en Ligue des Champions. C'est un entraîneur qui les a ramenés pour la première fois de leur histoire en finale de C1. On va pas le répéter. Moi, je pense que le déclic, enfin, ce qu'il aurait dû faire, peut-être, c'est peut-être partir au firmament, partir au plus haut, car on sentait très bien que voilà, c'est tu repars sur un cycle, tu repars sans forcément réinjecter du sang neuf dans ton effectif, un effectif auquel tu as beaucoup demandé et surtout avec lequel tu as tiré, on va dire, le maximum, hein, parce qu'on sait très bien que c'était un petit peu le top du top de ce qu'il pouvait atteindre avec Tottenham. Donc voilà, je suis quand même assez choqué par cela, parce que même la direction de Tottenham aurait pu attendre le mercato d'hiver et lui donner au moins une dernière chance, au moins les pleins pouvoirs pour essayer de recréer quelque chose de nouveau, repartir sur un nouveau cycle. Moi je suis assez... Alors est-ce que lui, parce que je pense que dans ces cas-là, il y a un dialogue aussi avec la direction, est-ce que lui n'a pas montré une envie suffisante? Est-ce que lui a d'autres idées en tête? Il ne se cache pas d'avoir d'autres ambitions, mais est-ce que dans la discussion et le dialogue qu'il a eu avec ses dirigeants, est-ce qu'il a laissé aussi montrer qu'il n'était plus forcément motivé pour ce défi-là? Là c'est du inside. Brut comme ça, sur les résultats qu'il a eu et sur la décision, oui, c'est totalement injuste. On a vu, hein, juste son bilan, et c'est vrai que il y avait des rumeurs comme quoi s'il gagnait la Ligue des Champions, il allait partir comme ça. Est-ce que voilà, il aurait dû partir dès cet été, ou est-ce que... On l'avait déjà dit, on va pas se répéter. C'est pas la première émission qu'on fait sur Tottenham depuis le début de saison. La fin de cycle, elle était le soir. C'est aussi juste, je préviens aussi, c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas une émission spéciale Pochettino, parce qu'on a beaucoup parlé de Tottenham, on a beaucoup répété ça. On n'allait pas tout répéter. Reprenez l'émission qu'on a fait post Brighton, notamment avec la terrible blessure de Lloris, où j'avais déjà eu le sentiment que Pochettino était à deux doigts de démissionner. Sur le match, si tu vois son expression corporelle, il n'y a plus rien. Maintenant, moi, là où je ne suis pas choqué, je peux comprendre totalement l'avis de Samy et je le partage. Mais aujourd'hui, on est dans un football de haut niveau, on connaît, on n'est pas dans le monde des bisounours. Si on prend les résultats globaux de Pochettino en Première Ligue sur l'année 2019... Alors on les voit, hein. Ça c'est depuis le début de la saison. Même 2019, c'est-à-dire qu'il y a eu, on l'a souvent dit, cette finale qui a été un peu l'arbre qui cachait la forêt, avec des scénarios extraordinaires, et bravo à Mauricio Pochettino, il a fait un travail extraordinaire, et c'est pas sur ça, moi, que je veux insister. Mais aujourd'hui, t'es dans un... Ça me fait penser un peu à Leonardo Jardim quand il est parti de Monaco la première fois. On l'avait dit un petit peu, ouais... c'est pas normal de le traiter comme ça, mais à un moment donné, quand le vestiaire ne répond plus, quand t'as des cadres qui sont plus haut niveau, quand t'as un coach... Il avait quand même une saison de plus par rapport à son moment fort, il lui avait laissé une saison de plus. Jardim ? Oui. Oui, bien sûr, mais à un moment donné, tu te dis, ouais, il a quand même gagné une Ligue 1, il a fait une demi-finale de Ligue des Champions, on avait eu un peu ce sentiment, moi c'était la dernière fois que j'avais eu un peu ce sentiment. Mais le problème, c'est que moi je pense clairement
que pour Pochettino, c'est une bonne chose. Ça l'enlève d'un bon. Moi, je vais pas le blindre. Clairement, sincèrement, Pochettino, pour moi, c'est un top coach, un très très grand entraîneur. Il part de ce bourbier-là, il va prendre un gros gros chèque. Il va avoir, si on parle aujourd'hui de perspective d'avenir hein, en tant que coach. Hein. Et c'est pour ça que sur ce type de décision, il y a plusieurs lectures de Tottenham, du vestiaire et du coach. Moi, si je dois me placer de la part de Pochettino, sincèrement, il repartira sur un projet beaucoup plus ambitieux parce qu'il a montré tout le talent qu'il avait, avec beaucoup plus de moyens que Tottenham. Et surtout, il aura un sas de décompression pour vraiment se régénérer et encaisser tout ce qu'il a encaissé sur les 4 dernières années. Donc clairement, c'était soit moi, je me suis dit, à un moment donné, il va démissionner. Mais bon, il se sera assis sur un beau petit pactole, surtout qu'il vient de prolonger l'année dernière. Donc clairement, moi je trouve que d'un point de vue Pochettino, c'est, j'ai pas envie de dire une aubaine parce que c'est le mot est fort, mais c'est pas une si mauvaise chose que ça. Maintenant pour Tottenham, on aura le temps d'en reparler, c'est autre chose. 18 défaites hein, depuis le début de l'année 2019, toutes compétitions confondues pour Mauricio Pochettino. C'est vrai que c'est un nombre important pour un club de ce standing-là. Oui, Walid parlait des potentiels destination pour Pochettino. On sait que le Bayern n'a pas d'entraîneur fixe, ils ont encore un intérimaire. On sait que Valverde ne va pas s'éterniser non plus au Barça. Ça parle déjà du Paris Saint-Germain, s'il y a un échec de Tuchel. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de mails. Il y aura des propositions. Il va être sollicité. Est-ce que, n'empêche, mine de rien, Samy parlait tout à l'heure de l'année et demie que Jardim avait eu après ses résultats exceptionnels pour être finalement viré. Là, il y a 4 mois. Est-ce que c'est pas non plus... quand on a vu le tweet de Tottenham avec le communiqué, on a tous été quand même un peu surpris aujourd'hui. On se dit, ah ouais, il vire... Surpris, mais pas choqué. Je sais pas, peut-être pour toi, moi j'étais un peu choqué qui vire Pochettino. Viré comme ça, qu'il le vire en fin de saison d'un commun accord, mais là comme ça, en novembre, ça tombe de nulle part. En pleine trêve internationale, j'ai trouvé que le geste était fort, était choquant. Ouais. Dominique, est-ce que ça t'a choqué toi aussi? Est-ce que tu trouves le comportement de Tottenham légitime aussi? J'ai pas été choqué. Non, mais clairement. Sa tête l'a lancé. Pas de choqué du tout. J'en ai vu passer des choses. Un petit tweet comme ça, la sauvage à 20h. Je rentre chez moi, tu vas la passer. Non. Je suis surpris, oui. Je suis surpris du timing parce que on l'a dit. Il a décidé de rester après la finale de Ligue des Champions, alors que tout le monde pensait qu'il pouvait pas faire mieux avec cette équipe. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait dû partir. Donc il a voulu lui poursuivre l'aventure. Et le timing, oui, peut être surprenant, surtout dans cette trêve internationale. Maintenant, quand tu regardes les résultats bruts, je suis désolé, quand tu regardes la production du jeu aujourd'hui de Tottenham, en championnat, mais c'est affligeant. Donc tu sens que cet entraîneur, malheureusement pour lui, a fait le maximum. Ça fait 4 saisons qu'il est, enfin, depuis 2014, il est là. Je pense qu'il a tiré le maximum de cette équipe-là. Il a essayé de l'amener le plus haut possible. Après, maintenant, tu as un plafond de verre pour Tottenham. C'est une équipe qui n'arrivera jamais à gagner le titre. C'est une équipe qui va toujours stagner à la 2e, 3e, 4e place, mais pas plus haut. Et aujourd'hui, cet entraîneur qui a, pour moi, c'est l'un des meilleurs qu'on puisse avoir en Europe depuis de nombreuses saisons. Le fait qu'il puisse être libre, ça va lui donner aussi, comme l'a dit Walid, énormément d'opportunités. Tous les clubs vont se l'arracher. Cet entraîneur-là, il est recherché par tout le monde. Et donc, pour lui... C'est une aubaine de partir. Pour Tottenham, ça va être une vraie catastrophe. Parce que comment ils vont se relever? Qui vont prendre pour pouvoir... ils vont pas tomber. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Mais le reste de la saison risque d'être compliqué pour eux. Mais pour cet entraîneur-là, aujourd'hui, tu peux pas rêver mieux. Surtout que Romain, moi, très rapidement, c'est pas... les qualités de l'entraîneur qu'on remet en cause, bien entendu. Moi, je suis un grand fan de Pochettino. On l'a dit toute la saison dernière. Mais à un moment donné, il y a des résultats. Tu te fais éliminer en Coupe de la Ligue, ou en Cup, face à une équipe, je peux même pas te citer le nom. Tu prends 7-2 contre le Bayern, tu fais 2 partout à l'Olympiakos, t'as pas gagné depuis Southampton, c'est fin septembre. Sur l'année 2019, c'est une catastrophe en Première Ligue. Moi, je suis président,
Je vais pas dire que je suis surpris de. Après, ce qui peut choquer, c'est pas par rapport à ça, parce que. Fait, n'importe quel entraîneur saute, hein. Mais non, justement, non. Moi, c'est ça, qui m'étonne d'entendre parler comme ça. Après, tout dépend de quel type de dirigeant tu as, parce que, quand même, en Angleterre, il est arrivé, par exemple, lors des périodes Wenger ou Ferguson, d'avoir des années sans. Creuse. Ouais. Et de continuer de dire, voilà, ça repartira mieux la saison prochaine. Et moi, j'avais l'impression que. Mais t'avais des résultats. T'avais l'impression que Daniel Levy, que le board de Tottenham, c'était un projet avec Pochettino. Moi, je ressens ça comme ça, le côté un peu familial, et ce projet avec Pochettino, voilà, c'est quand même le gars, il les a emmenés sur un truc improbable en début de saison, et que là, voilà, tu pouvais lui laisser. Moi je le voyais plus comme ça, c'est pour ça que je vous trouve dur. Non, mais, mais je vous rejoins sur le manque de résultats sur exactement, c'est ça. 2019, mais non, pas que 2019. Le côté cruel, pas que 2019, il est là depuis 2014. Il est là depuis 2014. Alors, oui, cette équipe de Tottenham, avant qu'il arrive, elle était 5e, 6e, 4e, elle était toujours dans les premières cartes. Et donc, voilà, elle était sur la carte avec du jeu. Donc, vous vouliez quoi? Mais non, mais maintenant, ce président-là, ça fait 4 ans qu'il est présent. Pochettino, il n'a pas eu de titre, il n'a pas eu de première ligue. Il fait un excellent parcours que personne n'attendait à la Ligue des Champions. Et tu joues la C1 aussi avant, oui, tu la joues régulièrement. Bien sûr, mais maintenant, je pense que la direction attend peut-être autre chose. Il a aussi peut-être senti que son vestiaire était usé, parce qu'aujourd'hui, tu sens bien que cette équipe-là, elle ne répond plus dans le jeu, alors que cet entraîneur a la capacité normalement à faire bien jouer. Il l'a montré depuis 2014 qu'il savait faire jouer ses équipes. Aujourd'hui, tu regardes les résultats de cette saison et même en championnat sur la deuxième partie de saison de l'année dernière, c'est compliqué dans le jeu, dans la production. Bien discours, dans la communication, Pochettino, à aucun moment tu sentais qu'il avait des leviers pour vraiment se battre et inverser la dynamique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es à 10 points de la Ligue des Champions, Samy. C'est-à-dire que si tu fais pas quelque chose maintenant, attention, je suis pas en train de légitimer le choix de Levy. Je dis que je peux le comprendre. Mais tu trouves pas ça gonflé de la part de la direction, parce que c'est aussi. Mais faut prendre des décisions. Ils ont aussi une part de responsabilité avec le manque d'investissement comme ces dernières années. Mais ça, on est d'accord. C'est ça qui me. Alors justement, alors il y a Escape qui nous dit c'est Colchester qui a éliminé Tottenham en cup. C'était au penalty que Colchester l'avait emporté. Avec cup. Oui, c'est des coupes, c'était déjà pas mal. Comme en plus, la carapace. On a beaucoup parlé des recrues à Tottenham. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le stade à payer. Le stade, il devait coûter 500 millions. Il coûtait quasiment 1 milliard parce qu'il y a eu des problèmes de sécurité. Ça a été retardé. Ça a mis un an de plus à venir. Il n'y a pas eu de recrue pendant un an et demi. On se rappelle de Lucas, qui était la dernière recrue jusqu'à cet été. Cet été, il y en a eu trois. Tanguy Ndombele, on va voir leur bilan. Tanguy Ndombele, Giovanni Lo Celso, Ryan Sessegnon. Ryan Sessegnon, il a été quasiment blessé depuis le début de la saison. Il a joué 15 minutes. Giovanni Lo Celso, il a aussi été blessé et il n'a pas été bon depuis qu'il est arrivé. Il l'a fait jouer. Il l'a fait jouer sur les derniers matchs. Ouais. Ouais. Et Tanguy Ndombele, qui a joué la moitié, on voit le nombre de minutes de Tottenham, c'est 1530. Tanguy Ndombele, il en a joué la moitié, hein, 883. Il a aussi eu quelques pépins physiques. Est-ce qu'il y a eu aussi un problème d'incorporation de ces recrues-là qui ont fait que le discours ne passait plus? Déjà, toute proportion gardée, sur le papier, à part Ndombele qui était un joueur confirmé. Attention à ce que tu vas dire, toi. Je vais y aller, je suis désolé. Hein. Non, mais à part Ndombele, si tu regardes les trois recrues, Là, il va mettre les pincettes. Non, mais quelle recrue de niveau international, il n'y a que Ndombele, vraiment, avec expérience C1, expérience maintenant internationale. C'était la seule recrue qui était, on va dire, clinquante et qui correspondait à un projet ambitieux. Lo Celso vient d'un club comme le Betis de Séville et le Paris Saint-Germain. Était remplaçant au Paris Saint-Germain. Et Ryan Sessegnon, ça reste encore un jeune prospect, même s'il a une certaine expérience en Première Ligue, ça reste un jeune prospect en devenir. Donc déjà, rien qu'au niveau du mercato, c'était pas forcément ce à quoi on s'attendait. Les sommes, elles ont été mises pour Ndombele, pour Lo Celso. Donc ce qui montre encore plus l'incompétence des dirigeants. Parce que quitte à mettre une grosse somme, autant essayer de taper lourd. C'est ce que j'avais reproché moi sur ce plateau, il me semble, il y a un an et demi où on avait parlé, ça fait longtemps qu'on fait le club des 5, où on avait parlé justement, où moi j'avais mis en exergue ce manque d'ambition dans les transferts pour ce qui est Tottenham. Je sais que voilà, il y a toutes les raisons, tu les as citées, le stade et tout, mais là au moins voilà, puisque c'était enfin un mercato où tu allais envoyer, je trouve que déjà sur les noms, dès le début, à part Ndombele, ils se sont trompés, je suis désolé. Je pense que c'est quand même un avis très tranché de la part de Samy, parce que autant pour Pochettino, je peux être en accord avec lui, où il nous explique qu'on est un peu dur. Là aussi, je te trouve un peu dur. Que sur le niveau, les transferts européens, Ndombele, Lo Celso, Sessegnon, c'est
équivalent à des Hazard, à Samy, des Griezmann. Samy, on est le 20 novembre. Soyons honnêtes. Samy, on est le 20 novembre. Tu peux pas dire que Lo Celso, Ryan Sessegnon et Ndombele. Je te parle en qualité de mercato quand même. Tu dis pour toi c'est raté. Je suis pas assez raté, c'est moins clinquant. Je peux pas le déterminer aujourd'hui. C'est trop. Le problème, c'est que Tottenham, tu le sais, tu n'attireras pas Mohamed Salah, tu n'attireras pas Eden Hazard, tu n'attireras pas Gareth Bale, Ronaldo ou ce que tu veux. Je pense que sur ça, on est d'accord. T'es sur un deuxième chapeau de marché des transferts. T'es pas le Paris Saint-Germain, t'es pas le Real Madrid, t'es pas le Barça. Lo Celso Sessegnon, c'est déjà du deuxième chapeau. Ah bah pour moi, moi je sais pas si t'étais sur la planète Liga l'année dernière, mais Lo Celso, c'est quand même l'un des meilleurs milieux de terrain sur la saison l'an dernier. Je sais pas si on a des sociaux. Avec Sarabia, c'est un des meilleurs. Mais sur la saison, en termes de stats et en termes après, de. Après, il y a un certain chroniqueur du Club des 5 qui pense que Canales a fait une meilleure saison, mais bon, c'est. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain sur la saison dernière. Tu parlais de légitimité internationale par rapport à Ndombele. Il a quand même fait une Copa América et il est avec l'Argentine depuis quand même un bon bout de temps. Alors, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut pour toi, à tes yeux. Mais moi, pour moi, si on doit comparer Ndombele. Et parce que Paredes aussi joue en équipe d'Argentine, donc je suis pas sûr que ce soit. Oui, bah, il est très bon. Il est même très bon avec l'Argentine. Hein. Oui, mais c'est. Mais révélateur argentin, être en sélection argentine au milieu à ce poste. C'est pour ça que. C'est pareil. C'est pour ça que la lecture t'appartient, Samy. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, si tu me parles à la base, sur le papier. Oui, je pense que Lo Celso n'est pas adapté pour la Première Ligue. Oui, je pense qu'à Tottenham, c'est plus compliqué. Maintenant, de dire que. Ce sont des mauvais investissements. Pas forcément ça, mais pour moi, Ndombele et Lo Celso. La seule différence, c'est le match contre City en Ligue des Champions, entre les deux joueurs. Sinon, en termes de régularité, je te dirais même... Alors, en termes de talent, je pense qu'Ndombele est supérieur. Mais en termes de régularité, sur la saison dernière, si tu prends match après match avec le Betis et avec Lyon, je trouve que Lo Celso, il est supérieur. Ryan Sessegnon, c'est autre chose. En termes d'expérience, quand même, Ndombele était largement devant. En termes de match joué en première division... Ça se dit, pour moi, il n'y a pas une différence monstrueuse. Si tu me dis Ndombele, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas non plus le jour et la nuit. Maintenant, moi, c'est pas une histoire de qualité, c'est plus une histoire de quantité pour moi. C'est-à-dire que Lo Celso, Ndombele et Ryan Sessegnon, c'est très très bien. C'est très très bon et très très bien. Mais bien, c'est bien. Mais bien, c'est bien. Voilà, c'est un mix entre bien et bien. Oui, bon, pardon. Bien, c'est un mix. C'est un bon mix. Si tu veux, tu peux dire bonjour aussi. Bonjour. Ça permet de dire bonjour et bonsoir en même temps. C'est pas mal. J'essayerai. Ouais. Mais donc, pour moi, c'est très très bien. Le problème, c'est que tu n'as pas compensé tes latéraux avec le départ de Trippier notamment. Ryan Sessegnon, faut pas l'oublier, mais il peut jouer latéral, mais c'est plus un milieu, un ailier quand il joue à Fulham notamment. Et il y a des postes où tu n'as pas réussi à régénérer. On se rappelle de l'imbroglio Dybala, où Dybala doit arriver à Tottenham cet été. Dybala, tu le fais pas. Je pense que Dybala, quand tu vois le début de saison d'Eriksen ou de Dele Alli, ramener un joueur comme Dybala, là on est d'accord avec. Là je suis d'accord avec toi, c'est du chapeau 1. Mais c'est pas anodin que Dybala n'ait pas eu envie de venir à Tottenham. C'est parce que Tottenham, c'est pas aussi clinquant. Attractif que les autres clubs. Donc pour moi, clairement, c'est plus une histoire de quantité de recrues. Je pense qu'il aurait fallu en avoir 5-6 avec une vraie homogénéité qu'une histoire peut-être de. Peut-être investir moins sur les joueurs, mais plus de joueurs. Qu'une histoire de qualité. Et après, il y a la fin de cycle, mais on va pas se répéter. Tout ce que ça comporte après un succès. Alors, c'est pas un succès parce que tu gagnes pas la Ligue des Champions, mais pour Tottenham, faire une finale, on aura l'occasion de reparler de Pochettino quand il retrouvera un club, potentiellement, soit en Première Ligue, soit autre part. Il y a des clubs qui vont être en recherche d'entraîneurs dès l'été prochain. Le potentiel remplaçant. On va pas faire des grandes émissions pour savoir qui va remplacer, parce qu'à chaque fois on se gourre. Mais n'empêche qu'il y a des discussions en ce moment. Alors je vous donne l'info à 20h, à minuit 14, dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019. Il y a des réunions entre Mourinho et le board de Tottenham. Dès qu'il y a un club qui est un peu en difficulté en ce moment, notamment en Première Ligue, on parle de José Mourinho. Comme potentiel remplaçant, à part s'ils nous sortent un Anglais comme ils avaient sorti Tim Sherwood il y a 4 ans à Place de Villas-Boas, à part ça, il y aurait Mourinho, il y aurait peut-être Allegri. Laurent Blanc, s'il décide un jour d'être entraîneur, de réentraîner dans sa vie. Mais Mourinho, ça a l'air d'être la grosse cote, le bon... Sur un parcours de golf à Londres. L'herbe est bonne. Ouais, l'herbe est belle. Le swing peut... Tu vois Mourinho pouvoir prendre Tottenham dès cette année, Dominique? Bah, on sait que Mourinho est en recherche active de club et il a toujours indiqué qu'il souhaitait reprendre un gros club avec des moyens. Ouais.
Donc je pense que oui, Tottenham a les moyens. Ils ont les moyens, mais est-ce qu'ils sortent le Voilà, ça c'est une chose. Je connais beaucoup de personnes qui ont de l'argent. Oui, mais je ne paye pas un café. Est-ce que Tottenham a les moyens de l'appétit de Mourinho? Non, mais déjà Mourinho, s'il vient dans ce club, si jamais il vient, il y a déjà un effectif de. Oui, mais il y a déjà aussi un effectif de qualité, donc je pense pas qu'il va demander à renouveler dès ce mercato hivernal totalement son effectif. Il va peut-être apporter 2-3 touches. Maintenant, ce que le président a décidé aujourd'hui de ne plus faire confiance à Pochettino, c'est peut-être aussi pour réveiller son vestiaire, c'est peut-être aussi pour apporter une identité différente. Et la cassure, elle serait parfaite avec Mourinho. Ah, parce que clairement, ça pourrait casser. C'est pas le même type de football. Et on sait très bien que Mourinho est plus attiré par le résultat que par la qualité de son football. Aujourd'hui, cette équipe-là, elle est mal en point. Elle a besoin de gagner des matchs. Mourinho connaît parfaitement la première ligue. Dans le choix avec les autres entraîneurs, sur du court terme, pourquoi pas. Maintenant, sur le chat, on nous dit, vu la radinerie des dirigeants de Tottenham, ça m'étonnerait. Plus que la radinerie, ils ont prolongé Pochettino. Là, il y a 3 ans et demi de salaire à verser à lui et aux 4 membres de son staff qui sont liés à Pochettino. Il y a toujours le stade à payer. Il ne va pas y avoir un budget limité pour un entraîneur. Toi, tu n'y crois pas du tout? Moi, je ne crois pas du tout. Tu dis qu'ils ont de l'argent. Oui. Comme maintenant, Mourinho, il signe. C'est extraordinaire. Peut-être. Bien sûr. Il dit pas que ça ne va pas se passer. Il dit que lui, personnellement, il n'y croit pas. J'y crois pas. Donc j'y crois pas avec comme je dis, avec son appétit. Enfin, pour les gros transferts, à part à Porto, depuis qu'il dès qu'il signe dans un club, généralement, il y a des investissements qui vont avec. Ça envoie avec Mourinho. Tu peux regarder, ça envoie. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à le voir avec ce petit côté frileux que peut montrer Tottenham. Et puis même dans l'état d'esprit, dans la vision de jeu, ce serait un choc terrible pour les supporters et puis pour les joueurs aussi, pour l'effectif. Ils seraient secoués de tous les côtés. C'est ce qu'on attend aussi aujourd'hui. Ouais. Vraiment faire réagir ce vestiaire qui ne répond plus depuis le début de saison. À part Sissoko qui pourrait tirer son épingle du jeu, je vois pas quel joueur pourrait. Mourinho reste quand même un entraîneur qui peut être flexible tactiquement. Moi, je l'ai beaucoup critiqué à Manchester United, mais le Real Madrid 2012, ça jouait très très bien au ballon. Son Inter Milan, même si ça on fait, est ça fait 7 ans. Hein. Mais bien sûr, il l'a quand même fait. Son deuxième passage à Chelsea, quand il gagne le titre, je crois que c'est en 2015, Fabregas, Diego Costa. Faudrait vérifier l'année, mais les 6 premiers mois avec Eden Hazard, Willian, Oscar, ça joue très très bien au football. Il peut le faire. Bien entendu que c'est pas sa philosophie première, mais il peut le faire. Maintenant, comme Samy, je suis d'accord avec lui. Je mettrai pas 5 centimes. C'est-à-dire que si tu me donnes une cote, même à 100, je te la prends pas, parce que il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui, Mourinho, déjà, avec Manchester United, ça a cassé avec Ed Woodward parce qu'il ne lui a pas donné, sur la troisième année, il me semble, les moyens d'aller plus haut. Alors qu'il lui avait donné 80 millions pour Lukaku. Qu'il lui avait donné, sur les années précédentes, quand même une certaine somme d'argent. Je ne vois pas comment il irait à Tottenham, alors que Tottenham est à déjà 10 points de Leicester et de Chelsea. Alors après, je veux bien, il y en a beaucoup qui me diront « Ouais, mais aujourd'hui, Mourinho, il va aller où ?» C'est-à-dire que c'est très bien d'attendre les gros clubs, mais à un moment donné, quand tu ne retrouves pas de gros clubs, tu vas à l'échelon en dessous. On a vu Conte avec l'Inter, avec tout le respect que j'ai pour l'Inter. Conte, avec son talent, aurait pu aller plus haut. Ah, mais lui, il ne l'a jamais fait encore. Bien sûr, c'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui… Est-ce qu'il a franchi le pas? Et c'est ça, moi, la question que je me pose avec Mourinho et Allegri, c'est qu'on sait très bien que les entraîneurs de ce calibre, qui ont connu des très très grands clubs, Allegri, la Juventus, le Milan AC, à l'époque où c'était lui le dernier qui avait gagné la Serie A. La même chose pour Mourinho. Est-ce qu'ils acceptent d'aller à l'échelon en dessous? Est-ce qu'ils vont aller à l'échelon en dessous? C'est la grosse question que je me pose. Si tu me demandes ce soir, je suis dubitatif par rapport à ça. Je pense plutôt que Tottenham ira dans un entraîneur qui a des types Pochettino. Quand il arrive, un formateur, un genre de formateur. Je pense que un bon entraîneur de première ligue ou même de championship, un type Lampard, etc. Un local, je pense que là, t'as le temps aujourd'hui, en étant 14e. Je sais pas, mais un mec qui a des idées de jeu et qui pourrait faire vraiment ce que Pochettino a fait à Southampton. Il a fait du très très bon boulot, ils l'ont pris à Tottenham. Il y a des bons entraîneurs en Angleterre. Arthur Veil, qui est spécialiste première ligue, qui est dans mon oreillette ce soir, qui me dit que Eddie Hall, l'entraîneur de Bournemouth, a une bonne cote. Exactement, c'est un entraîneur qui a montré de belles choses. Il y a aussi l'entraîneur de l'Ajax, Ten Hag, qui. Ouais, mais Ten Hag, je pense qu'il a quand même un 8e de finale de Ligue des Champions à faire avec l'Ajax. Oui, ce serait pas pour tout de suite. Tu penses intérimaire plus un mec derrière. Tu peux le faire. Maintenant, en fin de saison. T'as plus grand chose à jouer. Voilà, je pense.
Mais ça peut être un profil, en tout cas, sportivement parlant, qui peut être intéressant pour Tottenham. Maintenant, à savoir, c'est quand même un entraîneur qui est très désiré. Donc toi, tu partirais sur un intérim. Toi, tu penses qu'ils vont prendre un intérim. C'est possible. Il y a aussi Gallardo qui attire beaucoup de monde en Europe. Maintenant que Tottenham, ça s'est libéré, peut-être aussi lui pourrait être attiré, parce que la Première Ligue, c'est quand même, ça reste attractif. Bien sûr. Donc je pense, et comme comment dire, Tottenham, c'est quand même, on parle de Mourinho, Allegri, mais il y a quand même beaucoup de coachs qui rêveraient d'aller là-bas. Non mais je parle, ouais, mais pour mettre un pied à l'étrier en Première Ligue, ça peut être sympathique. Bien sûr. Tu n'auras pas forcément les premiers rôles, mais tu peux avoir une équipe correcte. Donc voilà, je suis pas sûr que Mourinho soit vraiment le après attention, je pense que si Lévy a payé autant pour un licenciement, il doit quand même avoir une carte dans sa manche. Si vraiment il a personne, tout à l'heure il parlait d'incompétence, là on est au-delà de l'incompétence, parce que sincèrement, si tu te retournes pas après Pochettino, qui est quand même un sacré entraîneur, je veux bien soutenir la thèse de l'électrochoc parce que ça ne fonctionnait plus, comme je le disais il y a 10-15 minutes. Maintenant, si tu n'apportes pas une solution viable et une stratégie, ce serait très très compliqué. Sur le chat, on nous dit Lo Celso avec Mourinho jouera latéral droit. Non. S'il vous plaît. Pourquoi il est dans la caricature non plus ? Ne le mettez pas. Il y a Ami donc qui nous dit dommage pour Thierry Henry. C'est vrai. Ah, mais il est parti. Il a signé moi-même. Thierry Henry à Tottenham, ça aurait été marrant, ça. C'est vrai, histoire de timing et. Ça aurait été pas mal. Mais c'est ancien gunner. T'imagines l'ancien gunner s'il va à Tottenham. Non, je pense pas. En tout cas, on verra, on en saura plus dans les prochaines heures, savoir quel entraîneur viendra coacher Tottenham. Est-ce que ça sera Mourinho ? Est-ce que ça sera Allegri ? Est-ce que ça sera Laurent Blanc, est-ce que ça sera Jean Fernandez, on ne sait pas. Jean Fernandez, on ne sait pas. Jean Fernandez. À l'époque de Nasri, puis on est grand voyageur. J'étais sûr qu'il sortait ça. Albert Raymond, Jean Fernandez, c'était grand entraîneur. C'est parce qu'ils ont coaché un joueur, c'est ça ? Exactement. La question du soir, les socios, la question du soir, elle est sur Tottenham. Est-ce que vous comprenez le choix de Daniel Levy et du board de Tottenham de se séparer de Mauricio Pochettino ? Vous pouvez nous donner votre avis sur le chat pour ceux qui restent encore les 3-4 minutes d'émission, ou sinon dans les commentaires, ceux qui ont donné leur avis sur le chat, c'est intéressant, si vous n'avez pas pu le lire, vous pouvez le remettre dans les commentaires, comme ça on pourra débattre ensemble. Merci Samy, merci Walid, merci Dominique, c'était une émission différente, du football africain, du football sud-américain, du football européen avec Tottenham. Entrée plat dessert. Ça fait du bien d'avoir des trucs un peu différents comme ça, on est multitâche. Samy, il n'est pas content quand il voulait... On est multitâche. Ouais, il voulait parler que du Maroc, ouais. Mais bon... C'est... Il a dit vous ne nous respectez plus, vous faites plus spécial... Bah tu sais, il y a des On perd en 8ème contre le Bénin, mais tu as le traitement d'un 8ème de finaliste de la CAN, quoi. Quand t'étais tout là-haut, on l'a traité quand t'étais tout là-haut. Et encore, quand t'étais en Coupe du Monde, on t'a traité quand t'étais en Coupe du Monde. Et encore, on a failli parler du Bénin. Exactement. On l'a pas fait, on a préféré privilégier le Maroc. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, y a pas une info Mourinho là qui vient de tomber peut-être ? Il est en pourparlers pour l'instant, donc on sait pas encore. Non, parce que j'ai reçu des messages comme quoi. Ouais, mais il est. Comme quoi ce serait. C'est ce que j'ai dit. Ouais, voilà, parce que je passé pour un con. Ce que j'ai dit sur le en entrée de débat. Oui, mais tu parles de l'update par rapport à ce que tu as parlé. L'update pour l'instant je l'ai pas, donc on va pas se mouiller. Ah bah j'en avoir la notification. Mourinho signe 5 ans. On va pas donner. Mourinho pas du tout. Apparemment, il ramène Vasily Lodzic en adjoint. Donc, on ne sait pas encore, c'est pas encore officiel à l'heure où on parle. Si Mourinho devient entraîneur de Tottenham, ce n'est pas encore officiel. Donc, on ne pourra pas savoir pour le moment. Merci à Arthur Veil, à la rédaction en chef de cette émission. Merci à Abdel Kissi, à Benjamin Garnier et à Samuel Zaguri qui étaient à l'édition aujourd'hui. Merci à Vincent Fournier, à la Technique et la Réal, parce que nous, sur la Technique et la Réal, on ne peut rien. Merci Walid, merci Dominique, merci Samy. Les socios. Bonne vacances à Dominique. Ah oui. Tu pars combien de temps, toi ? 2 semaines. Oh là là, Les gens vivent, hein. Ouais. Il faut bien, il faut mais bien. Mais tu peux partir 2 semaines et demie, comme ça, fin novembre, début décembre. À La Réunion, en plus. Moi, partir pendant les vacances ? Non, avant. C'est pas comme si tu l'avais fait l'année dernière. Mais... Ouais. Qui ? Moi ? Je suis parti pour Noël. Ah, d'accord, tu es parti 3 semaines en Île-Maurice. Je suis parti le 16 rendre visite à ma sœur. Ah oui, effectivement. Moi, je veux voir la famille aussi. Mais en fait, c'est ça votre problème. À chaque fois que les mecs vont en vacances, je vais rendre visite. Je vais oui, mais c'est des vacances. Apparemment, les journaux portugais confirment que. Que c'est Mourinho ? Ouais, d'accord. Bon, bah, j'espère qu'il aura des moyens. Une source portugaise, c'est une source. On verra. Ça se trouve, on va sortir de l'émission, ce sera officiel, mais. On refait les 30 minutes là. On regarde la partie. On n'est pas tout. Merci à vous les socios, on va vous laisser 2 jours de répit, 2 petits jours de répit où il n'y aura pas de Club des 5, donc pas d'émission demain, pas d'émission jeudi, comme ça vous vous remettrez directement dans le bain pour ces PSG-Lille. Je crois que c'est Lille-PSG pour le match vendredi, on sera là pour parler de ce match. Le dernier PSG est à l'extérieur, donc peut-être que ce serait pour
plutôt au PSG Lille. Bon, on verra, ça sera vendredi en tout cas. On va vous souhaiter un bon petit week-end. C'est un week-end Club des 5. Hein. Nous, on n'a pas beaucoup de week-ends. Donc on va vous laisser ça. Passez une très bonne soirée, une bonne nuit. On se donne rendez-vous vendredi dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao.